On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 9e édition de la Balade de rêve. Mais d'abord, parlons de la rentrée scolaire avec une croissance quand même assez importante de la clientèle du côté primaire. C'est peut-être la rentrée politique. On est aussi en campagne électorale, mais c'est aussi la rentrée des classes. Et pour bien des parents, c'est un peu aussi le retour à la routine quand les enfants reprennent le chemin de l'école. On sait vraiment que l'été tire à sa fin et que là, on est en mode scolaire, entre autres. Faisons un peu le tour de la question avec la présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, 18 330 élèves ont pris le chemin des cours du côté de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, ce qui est quand même une croissance, principalement au niveau du primaire. Oui, c'est une croissance d'à peu près 3 % au niveau du primaire. Une croissance à laquelle on s'attendait quand même, ouais. Là, parce que... Les prévisions démographiques voilà, sont là. Ouais. Ouais. Il n'y a pas tellement de différence avec ce qui était prévu avec les données du ministère. Bon. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Parce que, bon, prenons un exemple, et je sais qu'il y a eu une annonce là-dessus, bon, l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, qui était évidemment une demande de longue date, et probablement que Saint-Eugène est probablement le plus bel exemple d'une croissance démographique assez intense dans un quartier. Oui, c'est... L'organisation scolaire a le défi de laisser les élèves le plus proche possible de leurs habitations. Alors, pour nous, depuis quelques années, oui, c'est un défi parce que la croissance démographique est présente. Puis en plus, dans les dernières négociations, il y a eu la baisse de ratio par classe. Alors, ce qui fait que comme on peut difficilement mettre le même nombre d'élèves dans les classes, bien, ça occasionne des transferts administratifs. Ça a été une année importante cette année, toutefois aussi importante que les années passées. On n'a pas plus de transferts administratifs que les autres années. Toutefois, par chance qu'on a eu l'heureuse réponse de l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, mais c'est justement parce qu'on avait réussi à faire la preuve que l'année prochaine, on n'était pas capable d'asseoir tous les élèves sur des sièges à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, à tout le moins au primaire. On aurait fait quoi à ce moment-là? Disons qu'il n'y a pas d'annonce, malheureusement, c'est reporté. Là, vous auriez fait quoi à ce moment-là? Ça, vous êtes contraint à... Ça aurait pris des roulottes. On a installé des roulottes où ils sont en voie d'être installés à Saint-Eugène. C'est pour les travaux, pour les travailleurs. Oui, ouais, c'est pour l'année en cours, mais c'est pour les travailleurs qui vont travailler à l'agrandissement. Mais on aurait été tenus d'avoir des roulottes. Parce que vous n'auriez pas pu transférer ces élèves-là ailleurs, c'est ça? Non, c'est calculé. Il faut être capable de les asseoir dans un rayon de 20 km. Quand on est capable de faire ça, on n'a pas d'agrandissement. Sauf que l'année prochaine, on a vraiment réussi à faire la preuve qu'il y avait des élèves. Puis c'est pas un agrandissement banal. On parle de 13 classes de plus. 13. Alors, 13 classes de plus. L'école Saint-Eugène va demeurer notre plus grosse école primaire, là, avec près de 800 élèves. Aïe, c'est énorme. C'est une grosse école primaire. Actuellement, qui est à quoi? 600 à peu près? Oui. Donc, actuellement, on a 600 élèves à Saint-Eugène. Et là, on va ajouter, quoi, vous dites, une douzaine de classes. Oui. Et pour porter la capacité à peu près à 800. Oui. Et donc, une fois l'agrandissement complété et fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des élèves qui, actuellement, ont été transférés, qui ne le seront plus? Oui, il y a des élèves... Vous allez récupérer des élèves, absolument. Il y a des élèves de Saint-Eugène, actuellement, qui sont desservis dans le centre-ville de Saint-Jean. Il y en a quelques-uns qui vont à Saint-Blaise. Okay. Ceux qui sont les plus éloignés sur le territoire, mais les plus proches de Saint-Blaise, alors on va les récupérer dans leur école de quartier. Okay. Donc, en ce moment, dans le pourtour de Saint-Eugène, il y en a qui vont à Saint-Blaise ou il y en a qui viennent ici dans le centre-ville. Absolument. Peut-être même à Saint-Lucien, non? Au début, c'était dans nos prévisions. Quand on a regardé l'organisation scolaire il y a quelques années, on s'était engagé à transférer les élèves à Saint-Lucien. Mais il y a eu, quand ils ont démoli l'église, le presbytère, il y a eu une construction, il y a eu un développement domiciliaire de plusieurs habitations. Alors, ces élèves-là sont dans la cour de l'école Saint-Lucien. Évidemment, et tant mieux, donc bonne nouvelle, Saint-Eugène, finalement, bon, l'agrandissement va se faire. Donc ça, on sait là, sur le calendrier que ça va se régler. Là. Mais un autre des secteurs où on vit aussi un trop-plein, c'est dans le secteur Saint-Luc. Absolument. Et on le voit avec la problématique là, qui est un peu liée à ça, celle du service de garde. Mais donc, il y a beaucoup d'élèves qui habitent
bon, quoi, principalement l'île Sainte-Thérèse, ou le secteur Jean-Talon? Oui, le secteur Fleur-de-Lys. Fleur-de-Lys. Puis Talon, oui. Bon. Et donc, ces élèves-là fréquentent en ce moment l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur dans le centre-ville. Et l'école Jamais-des-Bélangers. Et Jamais-des-Bélangers aussi. Parce que l'île est séparée, là. Il y a des élèves qui fréquentent. Mais quand on regarde NDSC ou encore Jamais-des-Bélangers, quel est le pourcentage des élèves qui viennent de l'extérieur du centre-ville qui fréquentent ces deux écoles-là? Est-ce que c'est quand même beaucoup? C'est beaucoup d'élèves? Écoutez, il a fallu regarder justement parce qu'on avait le projet d'établir un service de garde satellite pour ces élèves-là. Alors, il y a 300 élèves qui ne sont pas dans le bassin du centre-ville. 300? Il y a 300 élèves qui sont desservis. Pour Notre-Dame du Sacré-Cœur et Jamais-des-Bélangers? Oui, oui. Alors oui, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Puis je pense qu'on est tous en mesure de comprendre que tant qu'on est capable de desservir ces élèves-là, puis c'est la règle du ministère. C'est la règle du 20 km. C'est la règle du 20 km. Donc ça veut dire que si, malheureusement, j'habite à l'île Sainte-Thérèse, dans les prochains 5-10 ans, il n'y aura pas d'école primaire chez nous. Il n'y aura pas d'école primaire. Parce qu'on va remplir NDSC puis Jamais-des-Bélangers. Absolument. Avant. Ce qui pourrait faire qu'on pourrait faire une demande d'agrandissement à l'école au Cap-Vent, par exemple, ou une demande d'école, puis ça, je pense qu'on l'a évoqué avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si jamais il y avait un développement dans le golfe, on leur a demandé de prévoir un terrain pour une école parce que s'il y avait un développement domiciliaire dans le golfe de Saint-Jean... Là, on vient d'exploser. Dans le golfe qui est à Saint-Luc, évidemment, on ne peut pas desservir ces élèves-là. OK. Ça a été clairement... Mais à court et moyen terme, la problématique des enfants et des parents du secteur Saint-Luc va demeurer toujours dans un canevas où ces élèves vont fréquenter Sacré-Cœur et Jamais-des-Bélangers. Oui. Bon. Donc, et là, on revient à l'autre problématique qui est celle du service de garde. Et effectivement... Bon, mes enfants sont plus de cet âge-là, mais je peux imaginer, puis même aujourd'hui, là, aussi banal que je suis parti du bureau ici, puis je suis allé là, dans le secteur du Walmart, c'est long. Et effectivement, on part d'ici, on s'en va à l'île Sainte-Thérèse. S'il faut faire ça quelques fois par jour, c'est long. Il faut comprendre que depuis quelques années, se véhiculer dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça s'est complexifié. Si je me mets à la place d'un parent là, qui habite à l'île Sainte-Thérèse, justement, en disant « je travaille à Montréal », je suis proche d'autoroute 35, mais là, parce que ton enfant fréquente une école dans le centre-ville, puis là, évidemment, il n'y a pas de transport aux heures du service de garde, il faut venir le mener puis le rechercher. C'est terrible. C'est des heures et des heures de voler à ces parents-là. C'est avec la dernière élection municipale qu'on a été sensibilisés à cette problématique-là. On savait qu'elle existait. Ces parents-là, évidemment, il faut qu'ils aillent chercher leurs enfants au service de garde après l'école, puis on le sait que c'est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on a travaillé toute l'année à essayer d'organiser soit un service de garde satellite. On a fait une proposition, on a fait deux propositions aux parents récemment, soit celle d'un service de garde satellite ou un deuxième transport. Ah, OK. Ça, c'est nouveau. C'est dans les travaux qu'on a opérés durant l'année scolaire. Où est-ce qu'on en est venu à se dire que ce serait peut-être plus facile à organiser un deuxième transport. Service de garde. Parce que oui, un service de garde satellite, ça demande des consultations, des conseils d'établissement des écoles en cause, soit l'école NDSC, l'école Jamais-des-Bélangers et même l'école où est-ce qu'on installerait le service de garde. Ça demande aussi une consultation du personnel de soutien parce que ça prend des gens qui travaillent à ce service-là. Alors, c'est plus long, c'est pas impossible, puis on peut l'organiser. Mais c'est les propositions qu'on a mises sur la table aux parents. On a fait ça la semaine dernière, le 27 août, puis on tient une réunion d'information le 10 septembre sur le même sujet. Bon, parce que de mémoire, quand on avait reçu ici même les parents en entrevue, ça touchait quoi? À peu près une centaine d'enfants, à peu près, hein? C'est ça, les services de garde en question. Là, évidemment, pour la rentrée, c'est encore la routine qui reprend. C'est la routine qui est reprise. Mais dans quel délai on pourrait soit installer un service de garde satellite ou sinon ajouter du transport? Écoutez, le service de garde satellite, ça peut difficilement aller en 2018-2019. Ça pourrait aller en 2019-2020. Toutefois, le deuxième transport, actuellement, l'école est commencée depuis quelques jours. On est en rodage de nos routes. Oui, évidemment. Alors, ça pourrait être envisageable plus rapidement. Fin septembre, début octobre. OK, rapidement. Absolument. C'est ce qu'on envisage. Et donc, on pourrait quoi? Avoir un bus qui amène les enfants, je ne sais pas moi,
à 6h30 le matin ou quelque chose comme ça, puis qui repartirait à 17h30 c'est le soir? Pour le, c'est pour le soir que c'est envisagé le deuxième transport. C'est okay. ce qu'on pense qui avantagerait le plus les parents. Puis évidemment, c'est pour ça qu'on est en sondage, parce que là, on travaille avec 4 parents. Ouais, parce que le primaire dossier. Commence plus de bonne heure le matin aussi. Oui, c'est ça. Donc, le besoin du service de garde entre 6h30 et 8h le matin est moins grand? Est moins grand. Qu'en fin d'après-midi? Oui. Oui. Puis évidemment, ce qu'on pense, c'est qu'il pourrait avoir dans... C'est encore hypothétique, ça dépend du nombre de parents qui vont être intéressés. On ne sait pas si on parle d'un autobus ou de 2 autobus après, qui seraient en deuxième transport. Alors, ce serait comme après 5h. Alors, c'est la cueillette de données qu'on est en train de faire. Mais ça pourrait se décider prochainement. Oui, ça va se décider prochainement. Bon. Et les parents sont ou seront consultés? Ou On est en train de les consulter. Okay. C'est en sondage. Il y a un sondage en ligne, puis c'est en train de se faire. En terminant, évidemment, une question, on ne peut pas vraiment l'éviter. On est en campagne électorale. Les sondages montrent que la CAQ pourrait former le gouvernement. On connaît la position de la Coalition Avenir Québec, qui est celui d'abolir ou de transformer un peu les commissions scolaires. Mais bref, on veut éliminer les élections scolaires et devenir un peu des centres de services scolaires. Bon. Évidemment, on le sait, là, votre mandat a été prolongé. Hein? Les élections ont encore une fois été reportées. Je comprends que ce n'est pas la première fois que vous vivez cette situation-là. Par contre, les sondages sont plus probants cette fois-ci pour un gouvernement de la CAQ. Comment vous réagissez? Parce que là, on est en campagne électorale. Là. Puis là, il va se passer quoi le 1er octobre? On est dans la politique fiction, mais si la CAQ, effectivement, est majoritaire au 1er octobre, vous allez faire quoi? Bien, on va faire des affaires avec eux. Pour commencer, je dis tout le temps, les gens qui sont élus, ce sont les meilleurs. La CAQ parle de centre de services. Pour moi, la Commission scolaire des Hautes-Rivières, comme les 68 autres commissions scolaires, on est déjà des centres de services. Oui. Quant aux élus scolaires, bien, mon idée là-dessus, c'est que si c'était facile, ce serait déjà fait d'abolir les élections scolaires. Êtes-vous la dernière présidente élue de cette commission scolaire? Non, je ne suis pas la dernière présidente élue de cette commission. Vous pensez qu'il y aura encore des élections scolaires? Il va y avoir des élections en 2020, je suis certaine. Même si la CAQ forme le gouvernement? Même si la CAQ forme le gouvernement. C'est intéressant, ça. On verra l'avenir? Absolument. On verra. Merci beaucoup. On va s'en reparler. Oui, c'est ça, certainement. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la balade de rêve 2018. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Sam. Dimanche, 9h30, Télé-Bingo, on vous attend. Parlons maintenant de la 9e édition de la Balade de rêve qui va se dérouler samedi, le 15 septembre, au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. 3 invités pour en parler. D'abord, Jacques Charette, qui coordonne les activités de la Fondation Le Renfort depuis quelques années déjà. Salut. Salut, Éric. Également à cette entrevue, les participantes à la balade de rêve, Alexandra Langevin-Rioux. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagnée également de Jean-Marc Miette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Jacques, déjà, oui, la 9e édition, puis on dirait qu'à chaque année, on s'ambitionne, on va sur le site web, on voit évidemment les véhicules s'ajouter. On essaie de varier aussi, d'avoir des véhicules qu'on n'a pas eu ou des véhicules qui reviennent. Bref, explique-nous pour les gens qui ne connaissent pas encore ce que c'est que la balade de rêve, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, la balade de rêve, tu disais que c'est une levée de fonds, mais avant tout, c'est vraiment faire passer une belle journée de rêve à des personnes qui vivent avec soit une déficience intellectuelle, trisomie 21, exemple, et ou un trouble du spectre de l'autisme. Fait qu'on veut leur faire passer une belle journée. Alors, ce qu'on fait, on demande à des gens qui viennent nous donner leur journée, des gens qui ont un beau véhicule,
Puis quand on dit un beau véhicule, ça peut être des vieilles voitures, ça peut être des nouvelles, ça peut être une moto, ça peut être cette année un camion de pompiers qui va embarquer des gens. C'est la première année qu'on le fait. Puis c'est toutes sortes de véhicules, des autos très performantes. C'est ça. Les gens viennent nous donner leur journée, puis eux, automatiquement, bien, ils font faire des beaux tours à ces gens-là. Et comment ça avait démarré à l'époque? Ah, bien, c'est quelqu'un qui m'avait offert, moi, de faire un tour de Ferrari. Il me montre ça dans son garage. Il dit, hey, Jacques, il dit, regarde, j'ai une belle Ferrari. Il dit, t'aimerais-tu ça faire un tour une matinée? Puis j'étais encore un petit peu plus large qu'aujourd'hui. Puis j'ai dit, sais-tu, je suis pas sûr que j'aimerais ça, moi, faire un tour dans ta Ferrari. Mais je connais des gens, hein, parce que ça pourrait faire plaisir. Et c'est de là que, là que ça a continué depuis. Puis là, tu vois, regarde, on a 123 véhicules. Puis on a un bel invité de dernière minute là, qui est venu s'ajouter, qu'on est très fiers de dire. Hein? Puis je peux peut-être compter une petite anecdote. Ouais, vas-y. C'est le commandant Robert Piché. Ouais. Alors, le commandant a accepté de venir nous donner sa journée. Il va conduire quelle voiture? Bien, c'est ça. Il n'y avait pas une voiture comme telle qu'il privilégiait. Puis là, j'ai dit, j'ai trois choix. Et tu pourrais avoir une Tesla, hein? Une Tesla électrique, puis c'est ouais. Prime, puis ça décolle. Hein? Puis ça, je me disais, il va peut-être aimer ça. Ou encore une auto très récente, très performante. J'ai des concessionnaires d'auto que je suis bien branché, il dit avoir de quoi de bien récent. Ou une belle vieille voiture. Bien, il dit, une vieille voiture, moi, il dit, je me sentirais bien dans ça. Et il dit, là, j'ai une autre question à poser. J'étais un peu mal de poser la question, mais j'ai dit, un, c'est une 1948, une Lincoln Continental, et pas de power brake, pas de power steering, puis à colonne. J'ai dit, est-ce que vous allez être confortable avec ça? Il dit, je pense que je devrais réussir à conduire ça. Fait que c'est mon petite anecdote avec le commandant Piché, vous l'avez mis au défi de... Je pense qu'il devrait être capable de piloter ça. Alexandra, est-ce que tu as déjà participé dans les dernières années aux autres balades de rêve? Oui, j'ai eu l'honneur de pouvoir embarquer avec Jean-Marc Millette, qui a fait le tour avec moi lors de ma troisième balade, qui était arrêtée pour pas loin du vieux hall, pas loin de l'école de Philly-Gabriel Marchand. Bon. Est-ce que tu te rappelles des véhicules dans lesquels tu as participé, des véhicules que tu as essayés? Oh, ce serait très difficile à dire. Je me rappelle seulement que sa voiture était très belle et en plus qu'il chauffait comme un vrai petit pilote de course. C'est un beau compliment, ça. Oui, ça fait partie. C'était quoi la voiture? Ah, c'est pas une voiture exotique, mais c'est juste qu'elle était conduite d'une certaine manière. Étant déjà un ancien pilote de course, j'ai pu démontrer à Alexandra ce qu'une voiture pouvait faire, puis en toute sécurité, malgré tout. Oui, mais par exemple, je dois l'admettre qu'il y a une autre chose que tu as oubliée. Tu m'as permis de poser sur le piton et que ta voiture pour la faire démarrer. Ah oui. Ça, tu te rappelles, ça? Oui. Ça, je me rappelle, c'était une des expériences que j'ai beaucoup aimées. Qu'est-ce que tu aimes de la balade de rêve? Moi, ce que j'aime dans les balades de rêve, c'est des voitures qui sont anciennes, qu'on ne voit pas dans les autoroutes de nos jours. On a des voitures récentes, mais on n'en voit pas des anciennes voitures, comme vous pouvez savoir. Pour cette journée, c'était vraiment spécial d'avoir des vieilles voitures, aussi bien que des récentes. Donc là-dessus... Je trouve que c'est une belle journée pour les personnes comme moi qui n'ont jamais monté dans des vieilles voitures comme celle-ci, d'en profiter dans cette journée. Bon, Jean-Marc, expliquez-nous un peu dans quel contexte vous avez accepté de participer comme conducteur à cette balade de rêve. Dans le fond, c'est pour participer puis s'impliquer en aidant les gens qui en ont besoin. J'ai toujours participé comme bénévole à certaines activités par le passé, depuis que je suis à Saint-Jean. Je meurs dans le quartier Saint-Luc, puis on participait au club de patinage artistique, moi et mon épouse, en donnant notre temps pour nos filles dans le temps. Puis avec les années, on a trouvé autre chose. Puis c'était une des associations que Jacques chapeautait. Et la levée de fonds m'a attiré aussi pour voir combien je pouvais ramasser d'argent avec des contacts, tout simplement. Puis avec les années, là, c'est la deuxième année, on commence à voir qu'on est capable de performer un petit peu de ce côté-là. Comme disait Jacques tantôt, oui, c'est une levée de fonds, mais c'est aussi, et on le voit dans les yeux d'Alexandra, une journée à qui on fait plaisir. Très spécial. Plaisir à du monde. Quel est le sentiment qui vous a traversé l'esprit quand vous avez vu Alexandra ou d'autres participants qui ont pu monter avec vous? Comme c'était la première année seulement que je participais l'année passée, c'était de l'inconnu, mais j'ai tellement été impressionné par ces jeunes-là, ces ados,
ses enfants, parce qu'on a des gens de tous les milieux qui participent et qui sont très chaleureux, qui sont contents d'être là. Et c'est ce qui m'a attiré pour la deuxième année. C'était de refaire l'expérience pour partager encore avec ces gens-là, les enfants, les adultes qui participent à l'événement, pour pouvoir leur donner une expérience unique à travers les rues de Saint-Jean pour les faire participer à l'événement. Donc, 123 véhicules à ce jour. À ce jour. Combien de participants, participantes inscrites comme Alexandra? On a sensiblement le même ratio, c'est souvent le même nombre. Actuellement, là, les inscriptions ne sont peut-être pas toutes faites du côté des passagers. Et j'invite la population, s'ils connaissent une personne dans leur entourage qui vit avec soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, d'aller sur notre site, leurenfant.com, à la section de la balade. Tout de suite au début, il y a le formulaire d'inscription. Parce qu'avant, c'était le personnel de l'établissement, du SISMO, qui s'en occupait, et ils s'en occupent moins. Ils ont des nouvelles restrictions. Et puis, donc, monsieur, madame, tout le monde qui connaissent quelqu'un, ils peuvent en parler peuvent à cette personne-là, ou à la famille d'accueil, ou à la famille naturelle qui a cet enfant-là, cette personne-là. Ils peuvent l'inscrire directement. Et là, les gens, au cours de la journée, ils peuvent essayer une, deux, trois autos? Ils font quatre balades différentes, oui. Parce qu'on part du Bougainvilliers, c'est là qu'il y a le regroupement le matin à 8 h. Entre 8 h et 8 h 30, on regroupe toutes les autos. Entre 8 h 30 et 9 h, on assigne les passagers, car les passagers ont déjà été choisis à l'avance sur notre site les véhicules qui rêveraient de faire un tour. Fait qu'on essaie de combler tous leurs rêves. Fait que là, on part ensuite en balade, en quasi-parade, là, parce que c'est quatre groupes. Du Bougainvilliers, on se rend au carrefour La Plante. Et là, ils ont déjà un passager, si c'est une place. S'ils ont deux ou trois places, on interchange. Ils peuvent avoir deux ou trois passagers des fois. Et là, après le carrefour La Plante, vous allez… Au carrefour La Plante, pendant qu'on est comme en petite exposition, 40 minutes. Pendant ce temps-là, on change les passagers de véhicule. Là, ils embarquent pour leur deuxième randonnée. Et ensuite, on se rend au collège militaire pour le dîner. Et après le dîner, ils embarquent pour une troisième balade. Et là, on se rend au le carrefour là, de Douglas, là? Oui, c'est ça. Il y a Faubourg-Saint-Jean, pour donner donner le bon nom de l'endroit. Donc, au Faubourg-Saint-Jean, encore là, on reste une quarantaine de minutes. On change les passagers, puis on va revirer un petit peu dans le talon pour revenir au Bougainvilliers. À 3h30 à peu près, c'est terminé. Okay, donc, tout le monde a fait un beau tour à ce moment-là. Puis, je pense que les gens ne l'oublient pas. Même que des fois, ils viennent de finir et ils nous disent « C'est quand la prochaine fois? » C'est la première chose que une bonne partie de nos passagers vont nous demander. Bon. Toi, Alexandra, évidemment, bon, oui, tu participes à la balade de rêve et visiblement, tu aimes beaucoup ça. Et qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Dans la vie? Tu fais du bénévolat, tu as des occupations, bref, ta vie ressemble à quoi? Oui, en effet, non seulement d'être, non seulement d'avoir des activités comme bénévolat, comme par exemple la balade de rêve ou le veuf fromage, j'ai aussi une vie professionnelle et je travaille 4 journées. 2 à l'hôpital et 2 autres au siège social pour aider la ligne renfort ou encore dans mon milieu de travail qui est la même chose qu'à l'hôpital. Je travaille aussi aux archives avec Sophie Mangan-Teller pour des renseignements personnels que je ne peux pas dire davantage. Évidemment. Pour des raisons professionnelles. À part ça, ma vie est très, très chargée. Je travaille très fort et j'aime beaucoup mon milieu. Que ce soit à l'hôpital ou au siège social, donc au Bougainvilliers. Bon. Et donc, quand on a une activité comme la balade de rêve, pour toi, c'est un moment dans l'année où il y a du plaisir, hein? On va chercher du plaisir. Oui, c'est très différent de ce que je fais en temps normal. Quand ça arrive d'avoir des activités comme le vin fromage ou encore la balade de rêve, qui est très populaire de nos jours, ça fait un grand changement. Au lieu d'être professionnel, j'ai du fun, je m'amuse et j'oublie tout le reste, comme par exemple le stress de dire « Oh non, je vais devoir me lever de bonne heure pour le lendemain! » Non. Non. Je passe sur le moment présent pour m'amuser le plus possible avec les activités que j'ai. Bon. Quand on a un témoignage comme Alexandra, donc ça… Ça vient nous craquer un peu, hein? Ça... Effectivement, c'est comme on dit, c'est ce qui nous motive à revenir année après année. Puis je me suis engagé pour une deuxième année, ça va très bien. Puis on espère pouvoir partager ça avec les gens de la région. Puis... Bon. La Fondation Laurent Faure Grande Ligne, évidemment, elle disait, bon, vin, fromage, oui, balade de rêve, d'autres activités dans l'année.
Dans le fond, on ramasse des sous dans une année, oui, et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Bon, justement, les dons sont redonnés. Il y a une très grande partie, il y a 36 % des dons qui vont s'arrêter juste à donner du répit aux familles. Mm-hmm. Et puis, chaque famille, on a à peu près 250 demandes par année et on ne donne jamais plus que 1 000 de crédit ou de paiement de services pour une même famille dans une année parce qu'on en a tellement. Et puis, on ne suffit pas à la demande. L'année passée, on avait eu comme 114 000 $ de demande, mais malheureusement, on a pu en remettre seulement pour 99 000. C'est sûr qu'on aimerait ça, avoir un petit coussin de temps en temps, puis pouvoir aller plus. On a eu une belle activité, le vin fromage serait bien été. Cette année, avec la balade de rêve, on rêve, on aimerait bien. On a déjà ramassé 60 000 une année. On vise le 75 000. Mm-hmm. C'est peut-être visé haut, mais c'est ce qu'on aimerait avoir, puis c'est ça qui viendrait nous aider. On est à mi-chemin à l'heure qu'on se parle actuellement. On est bien contents. Jean-Marc est notre deuxième meilleur collecteur. Je le dis comme ça, collecteur, parce que lorsqu'un chauffeur, qu'une personne conduit, bien, on peut aller sur le site, on voit cette personne-là. Pour supporter la personne qui donne sa journée, on peut donner en son nom. Fait que Jean-Marc a fait un excellent travail à ce niveau-là actuellement. Puis, mon frère Éric, tu es là. J'encourage les gens qui apprécient ton travail que tu fais de donner ta journée aussi, de venir passer avec nous. Bien, ils peuvent faire un don à ton nom et puis ça serait fort apprécié. Puis ça va nous aider beaucoup justement à répondre à toutes les demandes qu'on a. Bien, à vous trois, merci beaucoup. On se souhaite et on vous souhaite la meilleure des chances. Donc, rendez-vous samedi 15 septembre dès 8h le matin au Bougainvilliers. Mais comme le disait Jacques, ça va se promener là, tout au cours de la journée et tout au cours de la ville là, des deux côtés de Saint-Jean et Iberville. Donc, pour cette balade de rêve avec plus de 120 véhicules qui vont y participer cette année et des gens comme Alexandra qui ont bien hâte à cette journée. Oui, et en même temps, je vais rajouter une affaire très spéciale que je vais avertir tout le monde ici. Si je dois avoir des véhicules spéciaux que j'aimerais vraiment piloter et être dans cette journée-là, ce serait de voir d'être avec le pilote, avec le pilote d'avion, avec M. Péché, et ainsi que vous, très cher animateur, de pouvoir balader dans la voiture de Boom FM. Ce serait mon rêve de pouvoir avoir l'honneur de balader avec ces deux voitures-là. Ben, c'est entendu. Ben, merci beaucoup. Et bonne chance. Merci et bonne soirée. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Un don de sang, un don de vie. Donc, si vous désirez donner de votre sang, mettez à votre agenda vendredi, le 14 septembre, chez Derry Toyota, donc collègue de sang d'Emma Québec. À chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. Ça va reprendre la semaine prochaine avec l'Assemblée du lundi 10 septembre. Et chaque dimanche matin, ici à la télé du Richelieu, c'est le Télé Bingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.